L'opération Zéro Chégué, vous avez sans doute entendu parler de ce document, une lettre de réquisition du maire de la ville, Jacques Massingo Kindele, adressée au commissaire urbain de la police nationale congolaise. Une lettre qui a suscité des vives réactions au sein de la population. Cette réquisition sollicite l'intervention des forces de l'ordre pour une opération mixte visant à débarrasser la ville de Kolwezi des éléments perturbateurs pour beaucoup. Cela rappelle l'opération Kanyamaka CC, connue pour sa dureté dans le traitement des délinquants. La population craint un retour de ces méthodes drastiques, mais la mairie se veut rassurante. Selon les autorités municipales, cette opération ne vise pas à reproduire les actions passées, mais à assurer la sécurité des citoyens en arrêtant ceux qui sèment la terreur et la désordre dans la capitale mondiale du cobalt. L'opération Zéro Chégué n'est pas à confondre avec l'opération Kanyama Kasisi. L'objectif poursuivi, c'est la traque de tous ces délinquants qui perturbent en longueur de journée la quiétude de la population kolwezienne. Plusieurs carrefours de la ville de Kolwezi, il y a tous ces chégués-là qui non seulement perturbent l'ordre public totalement établi par l'actuel maire de Kolwezi, ils extorquent, ils dérangent pratiquement l'ordre public. L'opération Zéro Chégué prévoit des procès publics pour les coupables qui seront ensuite incarcérés. Une mesure qui, selon la mairie, vise à instaurer un climat de sécurité et de confiance dans la ville de Kolwezi. Cette opération, c'est conformément aux lois du pays, c'est conformément à l'état de droit prôné par le chef de l'État aux Kolwéziens d'être calmes, parce qu'une fois ces délinquants-là arrêtés, ils seront présentés aux premiers citoyens de la ville. Après leur présentation aux médias, et ils seront présentés devant leur juge naturel pour répondre justement de leurs actes. Franck Ndala, coordonnateur de la cellule des communications de la mairie, appelle au calme et demande à la population de faire confiance aux autorités locales. L'opération Zéro Chégué vise à garantir la sécurité totale, la tranquillité de Kolwéziens. Ici, je voulais demander à la population de la ville de Kolwezi de s'aligner, de s'approprier de cette opération pour que notre Kolwezi soit vraiment un havre de paix. En attendant, les forces de l'ordre seront à pied d'œuvre pour garantir la sécurité des citoyens et mener cette opération.